Et re les amis, c'est Rock Alpha et on se retrouve pour la suite que je vous avais promis, le SS3 en mode rapide, donc soins, armes, tenues, puis on va y aller, on va rentrer dedans, on va faire ça assez rapidement. Donc je vous avais dit, hein, je ferai plusieurs vidéos, on a fait le SS2 en rapide, là je vous fais le SS3 en rapide, après je pourrais faire SS2, SS3 en normal, puis il y aura les hardcore aussi, Blind One, et puis là on a pas mal de choses à faire. J'ai déjà ouvert les coffres, donc je sais ce qu'il y a dedans. Je vous les laisse pour à la fin. J'ai activé une disquette, on va la faire ensemble aussi. Et il y a le marchand, j'ai, je crois, 1h14 à peu près. Donc on va se faire ça assez rapidement, comme ça j'aurai le temps de tout coller sur la vidéo. Donc c'est parti pour le SS3. Donc ouais, la vidéo, elle a mis un peu de temps à venir, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai XP. J'ai refait toute ma base, donc j'ai farmé. C'est pour ça que j'ai vachement XP, parce que j'ai refait la base. J'ai réagencé, j'ai remonté les murs au niveau 3. J'ai vraiment farmé, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, on arrive au fameux SS3 normal. Hein, donc voilà, rien de bien fou. Hein. On va le faire en rapide, comme j'avais dit. Donc c'est-à-dire, ouais, il tire dans le vide, le bonhomme. Arrête! Il a pas compris encore qu'à travers les murs il pouvait pas tirer. Donc ouais, on va se le faire en rapide, hein, parce que le but c'était, c'était quoi? Oui, c'était vous montrer, bon avec les armes forcément c'est facile, mais c'était pour savoir combien on pouvait avoir de coupons au total. Et je sais même pas franchement si on va vérifier ça finalement aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a j'ai pas mal de choses à faire, on le refera au pire des cas. Je le ferai en off et dans une vidéo future, éventuellement, je vous dirai. Je ferai mon petit calcul tranquillou. Celui-là, là, on va le garder pour après. Ça pourrait être sympa. On va pas trop. La tourelle, on va se la faire quand même. Boum. Ah, je pensais que ça la finirait. Ça l'a pas fini. Bon, le petit gun maintenant. On va vraiment garder les gros guns pour les gros. Parce que le truc c'est que moi je suis là pour vous le faire en rapide. Voilà, tac tac tac. Hop. Donc ouais, je suis pas le seul. Ah, j'arrive pas à l'avoir d'ici, ça c'est con. Je suis pas le seul à faire des vidéos, hein. Donc après, comme je vous ai dit, là c'est. On ouvre des coffres rouges, donc on a du stuff en armes. On n'est pas à plaindre. Voilà. De temps en temps, faut les utiliser, faut se faire plaisir. Si on les utilise pas dans le bunker, où on va les utiliser, franchement? Donc voilà. Hein. On sait tout ce qui se cache derrière cette porte. Même ça, franchement, au gun, ça serait passé nickel, quoi. Mais ça va le faire. Voilà, il tire nous à travers le mur. Bon, lui, on va le laisser nous mettre quelques tatouilles. Juste pour le fun. Hop. Alors, pour ceux qui l'ont. Bon, je pense que tout le monde a déjà essayé au moins une fois les hard. Faites gaffe à cette porte. Hein. Passer en hard, en fait, il vous attend cash à l'ouverture de la porte. Donc, c'est vrai que pour ceux qui s'y attendent pas, ça peut être impressionnant. Hop, voilà. Donc, après, franchement. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sur les armes à feu. Ouais, je suis d'accord avec vous. Les armes à feu, c'est bien quand vous les avez et tout. Nanani, nanana, c'est précieux, c'est tout, blabla. Mais sincèrement, sans se mentir, en faisant le marchand, en faisant les largages, en faisant les tickets, les bunkers, sincèrement, vous pouvez vous. Hop là. Désolé.
Vous pouvez vous... Hop. Donc là, j'ai tout eu en même temps, c'était sympathique. Ça fera une vidéo pub en même temps. Voilà, donc je disais, vous pouvez vous permettre d'utiliser quelques glocks et machin, sincèrement, c'est pas la fin du monde. Avec tout ce que vous avez. J'ai même pas pensé à vérifier l'état de ma batterie. Je vous avoue. Donc hop. Voilà. Le petit chargement. En plus, ce matin, on a eu. Bon, moi je suis en Alsace, bien sûr. On a eu un sacré paquet de neige. C'est trop cool. On est allé faire la petite bataille de boules de neige avec la femme et le fils. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo, parce que vu que j'ai refait ma base avec l'aide de ma femme, la petite décoratrice, je vais vous montrer tout ça, ça peut être sympa. Je me demande même là, en fait, maintenant, sur le coup, si j'aurai assez de... Si j'ai prévu assez d'armes pour torcher le truc. J'ai un doute. Là maintenant sur le coup. J'ai peut-être sous-estimé un peu. Hop. Ouais, alors moi quand je dis que j'y vais avec des armes en mode bourrin, c'est genre je m'amuse pas à courir, machin, et tout le tralala. C'est-à-dire moi je reste sur place, je prends les claques, je me soigne et puis basta. Sincèrement, j'ai envie de le faire rapide, c'est rapide, hein, c'est pas dans la dentelle ou machin machin. Donc voilà. C'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, puis tant mieux pour les autres. Moi niveau des armes, franchement, je suis pas. Y en a assez, hein, y a de quoi faire. Si tu te démerdes bien dans la journée, t'en rafles quelques-unes. Et encore là, on sort pas les fusils à pompe, les machins et tout, on est juste au gun, et puis à la AK des caisses que j'ai ouvertes là, la M16, et puis bah ça. C'est pas. Ouh! C'est pas passé loin. C'est pas la folie non plus, tu vois, je veux dire hop. Pour les joueurs avérés, sincèrement, vous allez pas dire le contraire. Les armes, on en a large assez. Oh, je vais peut-être la garder pour après, ça. On en a largement assez. Oups. Voilà, là, c'est fait. Ça, c'est fait aussi. Bam, bam. Et là, vous avez le fameux plan, pour ma part, qui a déjà été pris. Voilà. Donc, on va quand même ouvrir les petites cassettes. Hein. Donc, allez. On est là que pour les coupons. Donc, on va prendre les coupons. Je vais quand même vous le faire. Je suis assez pressé, mais je vais quand même vous le faire jusqu'au bout. Comme ça va, de toute façon, faut qu'on revienne sur nos pas parce qu'il y en a deux qu'on a laissés en stand-by. Oh, la peinture, je vais la prendre quand même. Même si je vais revenir tout looter après, mais. De fond en comble. Hop. Ça va, cette fois, on est passé sans trop de mal. Avant, ça nous a bien fait mal. Donc voilà, ouais, on va prendre quand même les tickets. Parce à la base, c'est pour ça que. C'était aussi pour ça que je le faisais, pour savoir combien de tickets on pouvait avoir. Donc je sais plus combien de tickets on avait eu pour le SS2.
Maintenant, il suffit juste d'aller regarder la vidéo ou d'aller dessus, d'aller à la fin. J'avais fait le récap. Comme ça, on verra avec le SS3 ce que ça donne. Et après, ben, comme j'avais dit, le Blin One. Le Blin One qui va te donner 10 tickets rouges. C'est tout ce que tu as besoin de faire en hardcore, en fait, pour pouvoir ouvrir tous les 48 heures ton coffre rouge. Tout simplement. T'as vraiment pas besoin d'aller plus loin, t'as pas besoin de chercher plus loin. C'est tout ce que t'as à faire, c'est ça, quoi. Regarde, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Donc là, j'ai pas pris mon masque à gaz. Donc tout simplement, on va pas aller dans la pièce à côté. Et puis la dernière fois que j'y suis allé, sincèrement, j'ai même pas eu le temps de fouiller les deux armoires que bah, j'étais crevé. Clairement, après, j'y suis allé qu'une seule fois. À mon avis, j'ai pas été assez rapide, je pense. Ceci explique cela. Mais voilà, j'ai pas trop envie là de tenter le machin. Déjà, je vous ai fait une petite coupure pub avec bug et tout ce qui bouge. Encore heureux que j'ai envie de dire que le jeu se met limite en pause. J'ai envie de dire quand t'es pas dessus, quoi. Parce que là, il manquait une tatouille pour que je revienne à cause de cette pub à la con, quoi. Peut-être investir dans les 2-3 euros que le logiciel y demande là pour pouvoir filmer tranquillou. Ça va sur téléphone, c'est pas non plus trop trop cher. Donc là, on est déjà pas mal niveau ticket, on n'est pas mauvais. Je fais ça rapidos parce qu'on en a encore deux à passer. Puis après le bunker, sincèrement, ce qui est bien, ça reste les peintures. Je sais pas si vous entendez là, je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais on a un vent avec la neige et tout. On a même fait un petit bonhomme de neige sur le balcon avec mon fils ce matin. Mais pas besoin de descendre. On a fait ça sur le balcon tranquille. Ça, c'était cool. C'est l'Alsace, quoi. Donc on est pas mal, je vois déjà qu'on est à 17, 18 maintenant, ticket. C'est bien ça. Eux, je les ai... Ah, j'allais dire, je les ai tués dans la fumée comme par hasard. Bon, il y a encore notre copain là-bas. Hop. Il a faim, il a soif. Ouais, ça a toujours pensé, franchement. C'est un truc de fou. Mais quand tu fais les bunkers ou autres, ils consomment. Et évitez les bières, ça évitera de devoir pisser en plein milieu du bunker. Voilà. Ah voilà! Tranquille avec mon pote. Y a moyen que j'arrive à faire un screen ou... Ouais, super. Pourquoi se prendre la tête quand on peut être tranquille avec nos amis? Ouais, donc je sais plus combien on avait fait de tickets avec le SS2. Je sais même plus. Franchement, faudrait que j'aille vérifier parce que c'est vrai que ça m'intrigue. Et je crois qu'il est passé une bonne semaine entre la vidéo précédente et celle-là, donc je me souviens vraiment, vraiment plus. Mais là, on est plutôt pas mal quand même. On est pas mal, pas mal. On va encore aller déloger notre copain là qui est dans la pièce. Je sais même pas ce qu'il va nous demander là, le marchand. Voilà, donc maintenant il nous reste juste encore ceux du couloir à prendre, mais franchement on est pas mal, sincèrement. Rien que sur le SS3 là, donc si tu rajoutes le SS2, je pense qu'il y a vraiment... Je vérifierai sur la vidéo. Voilà. Donc là, on les a tous pris. Et bien sûr, j'avais pas pris les quelques tickets verts que t'as au SS1.
Bien évidemment, ceux-là, tu les prends. Voilà, t'en as quoi? T'en as 3, 4, 5 qui traînent. À peu près, c'est dans ces eaux-là, quoi. Mais là, on est pas mal. Regarde, on a 12 rouges, 23 oranges, 18 verts. C'est-à-dire que là, maintenant, si tu combles avec ceux que t'as au premier étage, tac, tac, déjà, tu ouvres ta caisse verte sans problème. T'as déjà tes 20. Il t'en manque deux, pardon. Il te manque deux oranges pour ouvrir ta caisse orange, et voilà, t'es bien. Donc, voilà, comme dit, j'avais ouvert les caisses. Donc ça, on va les poser, on va le poser, on récupérera tout ça, mais genre plus tard en fait. Voilà. Donc voilà, pour la caisse verte, un moteur c'est bien, de l'essence c'est bien, il y avait une peinture c'est bien, voilà, après, c'est jamais vraiment rien d'exceptionnel. Caisse rouge, AK modifié, Glock modifié, pompe, tenue de SWAT, toujours bien parce que la mienne, je sais pas, elle a pris une claque. Ouais, elle a pris une petite claque quand même. Des soins, de la peinture, voilà. Et dans la orange, j'ai eu la fourche. Eh oui, la fourche. De l'essence, peinture, 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 voilà. Et des pièces, c'est intéressant, mais le plus intéressant, ça reste la fourche, bien évidemment. Donc voilà, la petite fourche. Donc là, j'ai activé la disquette. Ta-da-da-da-da, voilà. La disquette est activée. Alors, me demandez pas la combientième c'est. Je n'en sais absolument plus rien. Je sais pas, j'ai pas compté. Je faisais comme ça de temps en temps par-ci par-là. Voilà. Donc, on va aller voir ça. J'en profite pour la caler dans la vidéo en même temps. On va aller voir ça. Par contre, pour la disquette, ce qui serait cool, voilà. Et si on a le temps, on va aller voir ce que le marchand il veut. Bon, après, malgré que j'irai chercher le tout en off, parce que j'ai pas envie de vous montrer ma base tout de suite. Donc, on va déjà faire la disquette. Ça reste la surprise. Bah, j'avais le temps, c'était 1h40 en fait. Ça va, j'ai le temps, j'ai le temps. Pour la disquette aussi, mais bon. Si déjà je l'ai activée au même moment que j'ai fait la vidéo, autant que je vous la mette dedans, comme ça. Bon, apparemment, moi je suis sur les groupes Facebook là, de Last Day, bon, y a rien de. Enfin, de bien énorme. Si, oui et non, quoi, mais. Et puis après, les contenus sont apparemment sont changeables suivant les gens. Pour ceux qui ont le même, ceux qui disent j'ai ouvert la caisse 3, machin, et un autre qui a ouvert la caisse 3 qui n'a pas du tout la même chose, donc ils lootent des trucs de base quoi. Ouh, il est un peu plus gros que je le pense, ça. Bon alors, que nous réserve cette petite caisse? Un circuit, ça serait bien, comme ça le bain d'acide, on peut le finir. Ouais, voilà, ça c'est bon. Donc on a le petit circuit mètre, c'est quoi ça? Je vais le ramener tout de suite avec moi. Le soin, on va le clac-clac. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal. Je vais remplir avec le principal, comme ça je peux ranger dans les coffres à la maison. Voilà. Bon, le Glock là, il va plus m'être d'une grande utilité. Voilà. Et on va juste aller voir qu'est-ce qu'il veut notre copain le marchand. S'il veut de la montre en or, du lingot et tout, c'est parce que c'est l'apocalypse, on est riche, de toute façon on n'en a plus besoin. Je me demande même qu'est-ce qu'il fait avec d'ailleurs. Parce que techniquement l'économie n'est plus ce qu'elle était. Hein. Clairement, on va se le dire. Donc, ouais. Sinon, dites-moi une fois dans les commentaires pour ceux qui regardent mes vidéos et qui jouent à Last Day. Ça serait intéressant et puis moi ça m'intéresse surtout quel est le plus gros cadeau que vous ayez reçu dans cette fameuse caisse je sais plus comment ils appellent ça la caisse inconnue je crois dites-moi voilà la boîte inconnue dites-moi le plus enfin le plus important on va dire pas le plus gros mais ah oui rien que ça d'accord.
Ouais, bah on va faire un petit screen. Parce que moi, j'ai pas de cerveau. Et on va aller le faire à la maison. Voilà. Donc oui, dites-moi, quelle est la récompense la plus importante que vous avez reçue dans ces fameuses caisses inconnues là. Parce que moi, c'est vrai que c'est pas glorieux, quoi. Mais ça m'intéresserait de savoir pour. Bah, juste pour savoir, quoi. Et puis, voilà, je pense que d'ici 23h29, le bunker va reset. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans les prochains 24 heures, dans les 48 heures à 72 heures, tranquillement, vous allez avoir une vidéo du mode hard. Ça y est, on va y arriver tout doucement. C'est parti. Voilà. Donc, sur ce, les amis, moi, je vous dis. À la prochaine, on va se retrouver pour d'autres vidéos. Ils vont venir, ils arrivent, on monte cette chopper, il nous manque encore un réservoir. On va croiser les doigts pour que dans la prochaine vidéo, ce réservoir apparaisse et qu'on puisse monter la chopper ensemble, qu'on puisse faire le groupe électrogène et qu'on aille la mettre dans la tour de guet, qu'on se fasse des super vidéos. Là, vous voyez ces petits joueurs-là? C'est vrai que je m'en suis jamais intéressé, je m'y suis jamais intéressé. Je suis allé les voir, mais j'ai jamais pris le temps de rentrer chez eux, quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, il fallait la dynamite et tout. J'ai cru comprendre que maintenant, on peut y aller à la petite hache. Donc, on va aussi se faire une vidéo voisin. Comme ça, on va aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous cacher. Et puis voilà. Moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Continuez à geek. Peace!